hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un peu spéciale. Ça va être la présentation d'un projet qui date un peu, que j'ai depuis un an, que vous avez déjà pu voir d'ailleurs, et qui du coup va être mis mais à plus grande échelle je pense cette année. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, vous avez de nombreux vlogs concours avec du coup d'autres gens qui montent également sur le même parcours que moi. Ces concours, c'était tout simplement organisé sur le serveur Discord des écuries d'Ulmo, qui sont mes écuries en RP. Et je trouvais que c'était un concept vraiment bien, qui était un peu gâché, puisque du coup c'était un peu noyé dans le serveur des écuries. J'ai donc décidé d'ouvrir un serveur Discord entièrement réservé au concours. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je vous mettrai s'il y a des annonces de concours. Je ne sais pas du tout quand cette vidéo va être postée. Je la tourne actuellement le 16 août, mais ce ne sera pas le 16 août que cette vidéo va être postée. Cette année, du coup, pour la saison de concours, elle va être un peu plus conséquente, puisque du coup on a beaucoup plus d'épreuves. Alors, je vais vous expliquer un peu le principe. On aura des épreuves individuelles et des épreuves en équipe. Je vais tout vous détailler après. Du coup, au niveau des épreuves, de toute façon, je pense que vous verrez un peu sur le serveur. Là, je tourne en voix off, mais je pense que vous verrez un peu tout ça. Pour du coup les informations, tout vous est expliqué, vous pouvez mettre pause si vous voulez, je pense que du coup je ferai défiler là. Mais c'est globalement des points à récolter, c'est en fonction du classement, du coup vous avez un nombre de points qui est marqué, hein, tout est marqué. On a aussi les lieux des concours par rapport aux disciplines, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, il y aura aussi une catégorie pour mes écuries et vous pourrez mettre vos propres écuries dans le serveur. Donc, il y a juste un petit formulaire que je vous mettrai, je pense, à l'écran à remplir. Et comme ça, vous pourrez concourir pour vos écuries. Pour ce qui concerne mes écuries, vous avez une catégorie écurie d'Ulmo avec la publicité pour que vous voyez un peu. Une demande d'inscription, donc c'est les membres du club dans le jeu, donc sur SSO, qui peuvent être reconnus en tant qu'écurie d'Ulmo pour les concours. Voilà, voilou. Pour les épreuves, de toute façon je vous mettrai tout à l'écran et n'hésitez pas à rejoindre, normalement c'est bien fait. Donc pour les épreuves, on aura une saison en CSO individuel, où du coup donc dans chaque catégorie vous avez un channel agenda, où vous aurez du coup l'annonce du concours. Normalement, c'est mis environ une semaine avant. Une catégorie d'engagement avec du coup le formulaire d'engagement que vous voyez juste ici. Une catégorie du coup ordre de passage où il y aura les ordres de passage avec un message si vous voulez des modifications. En fonction de vos disponibilités, il faudra m'envoyer un message privé. Tout sera expliqué de toute façon. Une catégorie classement avec du coup les classements et des photos. Donc photo, il me semble que tout le monde pourra mettre dedans, les autres non. Ensuite du coup on aura une saison en CSO équipe. Pour les épreuves équipe, c'est du coup des équipes de 3 personnes, et donc du coup il faut mettre la composition dans l'engagement, mais sinon c'est rien de compliqué, faudra juste mettre un nom d'équipe, mais voilà c'est tout. Et du coup les points d'équipe seront additionnés ainsi que les temps. Voilà, donc c'est pareil. On a aussi une saison en Hunter individuel et une saison Hunter équipe. Où du coup pour les trucs d'Hunter, vous aurez le protocole vierge, puisque je mets le protocole au moment de la reco, pour que vous voyez un peu les critères d'évaluation, puisque du coup c'est des évaluations que je fais en Hunter. Et vous aurez du coup vos protocoles. Alors normalement, dans l'ordre, il me semble, vous aurez pour les concours de Hunter, les CSO c'est pas pareil, et ça dépend encore, mais voilà.
Pour le Hunter, normalement, vous aurez l'annonce du coup du protocole vierge à la reco. Ensuite, normalement, c'est le lendemain, parce que du coup, le temps que on note tout avec les juges, etc., c'est un peu plus long forcément. Vous aurez l'annonce du classement et ensuite vos protocoles pour avoir le détail des notes. Et en Hunter, c'est possible qu'il y ait une vidéo. De toute façon, tous les tours sont filmés, mais ça dépend si j'ai le temps de faire un montage. Les saisons Hunter équipe, du coup, ce sera les notes finales qui seront additionnées de tous les membres de l'équipe. Pareil, c'est des équipes de 3. En dressage, vous avez la reprise vierge. Pour l'instant, il n'y a qu'une épreuve parce que ça va être assez compliqué, je pense, à organiser. Et vous le savez comme moi, sur SSO, c'est pas facile de faire du dressage. C'est la reprise Club 3 Grand Prix, la reprise officielle hein, d'ailleurs, si ça n'a pas changé. Ou du coup, vous avez la reprise vierge, donc avec toutes les figures, les notes, observations, les idées directrices aussi, ça c'est important. Voilà, comme ça vous pouvez vous entraîner là-dessus. Pour le dressage, ça change pas, il y aura photo, classement, ordre de passage, engagement. Il y aura juste du coup vos reprises. Dans la catégorie reprise, normalement, ce sera avec deux juges. Les saisons de dressage. Ensuite, on aura également du cross, du derby cross et de l'équifen. Équifen, ce sera par équipe. Donc, c'est le même principe que pour les épreuves équipe en CSO Enter. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. J'espère vous voir nombreux sur ce serveur qui, normalement, sera bien fait. Et du coup, les concours seront organisés pendant, je pense, les vacances scolaires. Ah oui, quelque chose de très important aussi, les concours seront organisés, enfin du moins, vous pourrez parler sur le chat SSO, tout simplement parce que c'est trop compliqué de faire un vocal avec tout le monde. Je sais que ça va en décevoir certains, voire même beaucoup, je pense. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas disponible en vocal. Et donc, du coup, voilà, normalement, ça sera sur SSO. Il n'y a pas de problème là-dessus avec les écuries d'Ulmo. Je sais qu'on a déjà fait des concours avec 14 participants. Et tout s'était très bien déroulé. Voilà, il n'y avait pas eu de soucis. Même si on n'était pas en vocal, voilà, c'était pas indispensable non plus. Voilà, ça va être c'était une courte vidéo, je pense. Mais j'espère vous avoir tout marqué et tout bien dit. Voilà, bye tout le monde et bah, du coup, n'hésitez pas à rejoindre, le lien sera en première ligne de description.